Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le petit journal du LMC Swap. Ça fait un peu longtemps qu'on n'avait pas présenté le cours du LMC Swap. Donc aujourd'hui, on va vous le présenter à nouveau sur les différentes plateformes Lbank, XT.com et LaToken. Donc on va commencer ici avec LaToken, mesdames et messieurs. On va zoomer un peu, donc je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à l'évolution de cette crypto-monnaie par rapport à sa nouvelle direction. Donc on était quelque part ici à 0,025. Donc la crypto-monnaie est venue ici, est en train de dessiner un nouveau support ici. Donc ça c'est une zone de stabilisation. La crypto-monnaie se stabilise autour de 0,010. Comme vous le voyez ici, elle est dans cette zone-là. Voilà, donc ça tourne dans cette zone-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si la crypto-monnaie sort de cette zone-là vers le bas? Donc, je vais vous montrer là où ça va aller, là où ça peut aller. Voilà, là où ça peut aller. Mais si ça quitte la zone vers le haut, la zone-là comme ça vers le haut, donc ça va venir ici dans un premier temps à 0,025. Ça pourra se retourner après, avant de remonter. Donc, mais si ça casse ça, ça va venir ici à 0,029 vers le 0,03. Et si ça casse ça, ça va venir à 0,04 à nouveau. Voilà, ça c'est le cas où ça sort vers le haut. Mais dans le cas où ça casse cette zone-là vers le bas, voici là où ça va atterrir. On est ici à 0,02. Regardez ici, on va chercher là où ça va atterrir. Là où ça pourra atterrir parce qu'on ne peut pas le dire avec précision. Voilà, donc regardez ici, la crypto-monnaie pourra venir ici à 0,009. Voilà, donc si jamais ça casse la zone dans laquelle elle est maintenant et se dirige et continue de suiter, donc voici la nouvelle direction 0,009. Voilà, donc mais ce n'est pas sûr, donc on ne peut pas savoir. Voilà, mais ça va dépendre maintenant de dans quel sens la crypto-monnaie va aller, en haut ou le bas. Ou peut-être bien elle pourra dessiner un nouveau support quelque part ici, parce que ce support-là n'existait pas avant dans l'histoire. On peut revenir en arrière, on va voir que ce support n'était pas là. Regardez, il est ici. Donc on revient. Donc vous voyez, on n'a pas ce support-là. C'est un nouveau support qui a été, ça c'est toute l'histoire de cette crypto-monnaie. Donc ce nouveau support-là a été dessiné nouvellement, vous voyez. Donc ça veut dire que d'autres supports pourront être créés ici à 0,01, 0,015. Voilà, mais ce qui est plus probable, c'est que ça aille jusqu'au dernier support qui est de 0,009. Voilà, si ça continue de suiter. Voilà, donc on va aller maintenant sur Lbank. Voilà, donc sur Lbank ici, c'est pas très différent. De toutes les façons, la valeur c'est la même chose sur toutes les plateformes. Donc ici, on est à combien? On est à 0,02 également, 0,02 pin. Voilà, donc si on essaie de regarder dans l'histoire aussi de la crypto-monnaie sur cette plateforme. On va bien remarquer que on est à un niveau, voilà, il y a pas de support là-bas. Donc en tout cas, il a même dépassé déjà le plus bas niveau ici. Bon, ça ce sont des messes seulement, c'était pas fort. Donc ici le plus bas c'était vers les 0,0, là je vois pas trop, mais c'était vers les 0,020 et quelques. Voilà, maintenant il est ici. Il est en train vraiment de battre les records ici. Hein. Vous voyez, il est en train de descendre en bas du plus petit. Voilà, c'est vrai, il était venu ici à un moment donné, mais ça c'est juste pendant quelques, on peut dire pendant une heure ou deux, ou bien pendant quelques minutes. Voilà, et donc c'est ça la crypto monnaie voilà, donc on va aller maintenant regarder sur XT.com. voilà, donc nous sommes ici sur XT.com, mesdames et messieurs. Regardez ici, voilà, on a dépassé 0,025, on est à 0,019 ici. Voilà, quasiment 0,02. Et donc, voici le niveau le plus bas qu'on a atteint sur cette plateforme. C'était 0,02. Hein. C'était le niveau le plus bas qu'on avait atteint ici. C'était 0,02.
Bon, en tout cas, ce qui était considérable, ce qui était considérable. Voilà, parce qu'il y a des... Regardez ici. 0,028, 0,02... Ouais, c'est ça. C'est 0,028, 0,02. C'était quasiment ça. Et donc, il a dépassé ça maintenant. Vous pouvez le voir. Il a dépassé ça maintenant, donc... il est en train de descendre, ouais. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur CoinMarketCap. Regardez ici sur CoinMarketCap, la récapitulation de la valeur, c'est 0,0202. Voilà, donc le problème, c'est les messages qui sont là. Donc il y a un message ici qui est toujours là, qui a été reporté par cette plateforme. Et donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont démentir ces messages-là pour le faire disparaître. Bon, en tout cas, pour le moment, ça c'est la valeur actuelle de LMC Swap. Voilà, donc cette vidéo n'est pas faite pour vous dire d'acheter des LMC Swap ou bien pour vous dire de vendre des LMC Swap. Ce n'est pas le cas. Voilà, donc la vidéo, comme d'habitude, est faite pour vous montrer comment la crypto-monnaie est en train d'évoluer. Et quelles sont les nouvelles directions? Bon, la crypto-monnaie est très sensible aux événements majeurs. Donc, il ne faut pas... Voilà. Donc, c'est très sensible aux événements majeurs. Ça pourra... Vous voyez les bougies ici, là. Vous voyez des bougies comme ça. Ce sont des pulsions très rapides. On pourra assister à ces trucs-là. C'est pourquoi on ne peut pas prédire exactement où est-ce que ça va aller. Voilà, mais on peut quand même, on a des probas, plus on a de l'expérience dedans, plus on peut donner des trucs avec des probabilités. Voilà, donc c'est ça, c'était l'objectif de ce journal, pour vous montrer un peu le cours du LMC Swap. Donc tous les jours, j'ai fait maintenant le journal général des cryptos, en général. Voilà, donc il y a quelques jours seulement maintenant où je vais parler du LMC Swap. Son évolution pour les gens à qui ça intéresse. Voilà, sinon le reste, j'ai fait le journal global des crypto-monnaies. Voilà, pour celui qui veut se lancer en général dans la crypto-monnaie. Voilà, donc merci beaucoup, on se dit à demain. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et on se dit à demain dans le journal de demain. Merci beaucoup.